Salut à toutes et à tous, il est 16h, comment allez-vous? Eh ben on n'est pas très bien puisqu'on est en train de placer des explosifs à Esperanza pour tuer le dictateur puisqu'il va faire un discours. Mais évidemment nous n'avons pas le droit d'être là et tout est sous surveillance. J'espère que vous avez kiffé le dernier épisode et j'espère que vous kifferez celui-ci. N'oubliez pas le pouce bleu et évidemment nous volons tout ce qu'on peut voler hein, si déjà nous sommes là. Hein, on va peut-être pas non plus exagérer des bonnes choses. Alors, il y a personne. Hein. Alors, faire gaffe au sniper, peut-être. Alors, il tire à vue. Hein. Il tire à vue. On va peut-être faire gaffe un peu. Voilà. Et là, il y a rien. Parfait. Ça fait peur ce bruit à chaque fois. Hein. Quelle belle propagande! Oh, ça va où? Et je suis sûr qu'il faut aller là. On y va. Hop là. Bonsoir. Ouh là 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 là, j'ai bien fait de passer par là, je pense. Si vous voulez mon avis. Ok. Mais attendez. On n'est pas passé par là. Mais attendez. J'ai l'impression qu'on est passé par là dans le, au début du jeu. Mais attendez. Attendez. Oh, on va ressortir par là. Ok. N'y allons pas. Enfin si, attendez. On va continuer juste le temps de. Si ça nous rapproche des points. Mais je crois que c'est... Je crois que c'est là qu'on a commencé le jeu, non? Permettez-moi d'en douter. Non, parce que là on se rapproche de nos objectifs. Oh, trop bien des trésors. Trésor de Kelops. Casque anti-choc. Oh, attendez, on se l'équipe. Ça par contre, il faut s'équiper pour cette situation. Voilà, niveau 4, ça protège plus. Oh oui. Là, je pense qu'on est quand même bien mieux. Et là, gilet émeute, maillot à munitions. Ça protège plus ça. Je sais pas si ça protège vraiment, mais dans le doute. Dans le doute, et puis comme dans tous les cas, on va se faire tirer dessus si on nous voit, donc on s'en fout complètement. Et là, on va ressortir par ici. On va ressortir ici. Et alors, laissez-moi regarder sur la carte. Ah non, c'est pas là qu'on a commencé le jeu. Nous, on a fait ici. Ok, c'est... Ok. Très bien. Donc du coup, les amis, juste petit rappel, on est à Esperanza et on a commencé au vieux village. Et du coup, je ne comprends pas parce qu'on a pris le bateau dans le synopsis du début et on s'est retrouvé sur cette île ici. Ça n'a aucun sens. Enfin bon, je sais pas. À moins que c'était prévu qu'on y aille et que oui, je pense. Là, on va se faire fumer. Hein. Voilà. Moi, j'arrive efficace comme Jaja. Les alarmes, c'est pas pour moi. Donc il y en a deux. Un troisième. Ok. Non, pardon. Ok. Ça va pas être bien compliqué, hein. Ok. La bombe, on la met où? Oh putain, c'est de l'autre côté, arrête. Voilà. Des feux d'artifice pour notre anniversaire. Ça va être magnifique. On va se les faire, hein, histoire de clean un peu la zone. Oh putain. J'ai eu chaud au kiki, là. J'ai eu chaud au kiki. Voilà, les mouches t'embêteront plus. Oh putain. Vous inquiétez pas, il a crié à cause des mouches. Oh attendez, on va monter. On peut monter? Oui, on peut monter. C'est trop kiffant les gars. Je n'ai rien à faire ici. Eh, je pourrais prendre le char. Je pourrais prendre le char. Ce serait stylé en vrai. Oh, je suis mort. Comment je fais là?
Ah, il y a un sniper. Sniper en poste. Un sniper? Où ça? Je prends un peu la confiance, hein. Très bien. En fait, ça servait à rien d'aller là. C'était juste pour prendre la hauteur. Étonnant que le sniper m'ait pas vu en bas, n'empêche. Tant mieux. Bon, bah, plus qu'une bombe à placer ici, puis... Puis on sera pas mal, pas de sniper. Personne ici. T'inquiète. Si je saute là, il se passe quoi? C'est relou. Chut. Il y a des gens là. Un peu de discrétion. Il y a des gens là, mais je sais pas où. Ah, ils sont à l'intérieur du checkpoint. Ok. Oh, ils ont trouvé les corps. Ouvrez l'œil, ils ont dit. Un message spécial del presidente Castillo Aya. Tu risques pas de la trouver, celle-là. Ok. Avec une grande tristesse. Juan, les colis ont été livrés. Tu bosses à la poste ou quoi? Dis-moi juste, Juan, j'ai posé les bombes. Je viens de t'envoyer une photo de l'heure où tu peux me trouver. J'arrive. Je suis sur l'étoile en face de l'hôtel. Si t'as oublié ma tête, cherche le visage du père parfait dont t'as toujours rêvé. Juan, tu veux plutôt parler du tonton alcoolique? Mais je suis sur la cuisine. C'est bon. Alors attendez. Comment on peut faire pour partir le plus vite possible? Ok, j'ai pas le choix, il faut aller là. Attendez, laissez-moi réfléchir. Est-ce que ça fait un plan GPS ou pas? Ouais, non, il me fait passer par dehors. Laissez-moi réfléchir. Le mieux, ce serait de faire derrière. Tac, tac. On est bien d'accord, ça sert à rien de sortir. Donc, dans ce cas-là... Je passe par là. Tant pis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Allez. L'armée fera appliquer d'une main de fer l'état d'urgence à Esperanza. Obéissez aux règles. Ne sortez pas dans la... Je suis désolé, hein. C'est pour pas me faire cramer. Hein. Oh, attendez. Ah, on est là. Ok. Ah non, je suis pas dans le bon sens, putain, c'est pas possible. Ok, d'accord, il faut que j'aille... Ah oui, d'accord, si, si. Non, attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que vous voyez les chemins en bleu. Hein, il faut que j'aille derrière. Oh, je me suis planté. Oui, je peux pas. Bon, ok. On va sortir. De toute façon, là, c'est safe. Puisqu'on vient de là. On va sortir et on va faire le tour par l'extérieur. Parce que là, je ne vois pas comment... faire. Enfin, si, mais après, c'est un labyrinthe. Et j'aime pas les labyrinthes. Vas-y, range ton arme. Normalement, c'est safe. Et voilà. Je suis en zone libre. Ok, du coup, les amis, on va faire le tour. Est-ce que j'ai droit à un véhicule ou pas, là? Ça m'étonnerait fort. Vous croyez qu'il m'attaque, lui? Non, c'est des gentils chiens. Mais je voulais pas qu'il me crame l'autre. C'est pour ça que je suis désolé, hein. Non mais attendez les gars, on se fout de ma gueule. Non si, il faut que je fasse le tour, c'est tout à fait normal. Oui, enfin on va faire le tour par là, hein. On va pas faire un grand détour non plus, mais ok. On va longer la zone, quoi. On va y arriver, les amis. Du coup, j'aimerais bien... Oh là 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 là. Oh, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum, ça fait deux fois. Déjà dans le dernier épisode, j'ai envoyé le Supremo sans faire exprès. Je suis désolé. C'était pas moi. Donc là, c'est notre petite base, très bien. Allez.
Attends, c'est lui qui m'a attaqué, lui, pour rien. Ah ouais. Je vais me faire fumer, là. Je me promène, hein. Voilà, je ne fais que passer. Je vais pas tenter de récupérer le coffre. Oh là là. Attendez, je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser faire ça, les gars. Je peux pas laisser faire ça. Attendez, on va faire un truc joli. Parce que là, ces missions, ça me plaît. Là. Hop. Ah bah on va récupérer du coup. Ah par contre il regarde chez moi, il fait chier. Je parais un peu suspect, je pense. Merde. Les forces spéciales. Ah ouais non là ils sont très nombreux là. J'ai envie de libérer les prisonniers moi là. Oh il dort. Il dort. Oh merde, non. Non. Oh merde. Vas-y, barre-toi. Libertad. Oh, ils sont roulous avec leurs grenades. Vas-y, monte ta tête. Voilà. Oh, j'ai trop le seum. Merde. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. J'ai tué le mec que je voulais libérer. Une annonce spéciale del presidente Anton Castillo. Bon. Ma foi. Au moins, j'ai un véhicule. Et ça, c'est cool. Allez. Bon, c'est pas grave, il y en aura un qui aura été libéré. Bon, là, je vais me faire allumer, là. Passer avec ce véhicule, c'est la pire de mes idées, mais... Terrain de sport de Victoria. On n'est pas encore arrivé. Oh, c'est magnifique. Mais attendez. Ah, faut que je prenne la route. Ok. Excusez-moi, hein, je détruis tout. Oh, c'est magnifique. C'est une carte postale, le truc. C'est une carte postale. Ok, on va pas aller plus loin. Je m'approche de Juan. C'est magnifique. Oh, oh là 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 là. C'est vraiment très beau. Hein. Voilà. Yeah. Ce jeu m'éternue. Bon. Bon, bon, bon. T'as oublié le plan ou juste tu t'en fous? On emmerde le plan. Je fonce. C'est autant inconscient que complètement con. J'adore. Les charges sont posées. Vous êtes prêts? Un coup fen pour tout le monde. L'hôtel est tout à toi, Danny. Et n'en ressors pas sans la tête de Castillo, d'accord? Donc là, t'es en train de me dire qu'ils ont tout fait péter. Et que je n'aurais jamais dû passer par là. J'ai trop le seum. Attendez, on va sélectionner notre amigo. On va prendre Guapo. Ah, c'est par là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ils ont fait péter, les amis. Ils ont fait péter. On peut passer par là, je pense. Par là, par là, par là. Très bien.
Bon là, y a tout le monde qui crie et tout, c'est trop stylé. Supremo prêt. On va tuer le dictateur, mon pote. Ah, salut frérot. Ok, on sécurise l'entrée. Alors attendez, on saute par où là? Pas envie de crever moi. Ah, je pense que j'aurais dû passer par là. Eh ben c'est pas grave, on va redescendre par là. Go, 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 go. Ça va, Guapo? Je peux pas t'ouvrir, hein, je suis désolé. Ça, c'est pour moi. Là, on peut lire un petit peu. Président Castillo, je vois la voiture dans laquelle vous roulez. Je sais que votre fils fait des maquettes. Moi, j'ai une fille, elle est aussi passionnée que moi. Vous ne pouvez pas continuer à dire que ces voitures ne font pas partie de Yara. Elles sont comme nos arbres, notre musique, notre cuisine. C'est ce que nous sommes, nous, le peuple. Cette couleur, cet éclat, je sais que vous le voyez, je sais que vous le sentez. Je doute que vous lisiez un jour ceci, mais je devais essayer, juste pour que vous sachiez que nos rassemblements de protestation continueront. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit. Vous devriez l'être aussi, Dalian Suarez. Super. Suceur. Allez, ça va partir en couille, littéralement. Go, go, go. Attendez, on va sortir l'arme, hein, si déjà. Let's go. Y'a quoi maintenant? Vous êtes des morts. Oh putain. Pas sympa ça, hein. Castillo, t'es un homme mort. Ah, il est en discours encore. Vous m'avez élu pour rebâtir le paradis. Et c'est vous, mes chers vrais Yaran, qui m'aidez à atteindre ce rêve. L'appel à rebâtir le paradis est un grand. J'ai la clé du penthouse. Aujourd'hui, nous produisons un traitement anti-cancer que le monde attend. Nous avons déjà commencé à bâtir une véritable. C'est tout en se tournant vers l'avenir, nous nous approchons du paradis. Ah, il est toujours en discours, ce salaud. Hein. Pourtant, une fois encore, une autre soi-disant révolution, un autre groupe de terroristes, une autre de faux Yaran. Libertad. Et ouais, c'est nous, Libertad. Y'a quoi maintenant? Ah, ils misent tout sur le Viviro, hein, le tabac et tout là. Si nous laissons ces terroristes nous déstabiliser, il n'y aura qu'une destination. L'échec. Ruine. La misère et notre destruction. Pour ce faire, Yara a décrété l'état d'urgence. Vous, Yaran, le désordre. Tiendrai à vos côtés pour défendre Yara. Défendre Merde. Notre paradis. C'est l'heure de prendre l'ascenseur. Go, 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 go. Yep.
Annie, qu'est-ce qui se passe? T'es entrée? J'y suis. Tu vois Anton? Danny? Je vois personne. Clara, le discours était enregistré. C'est un piège. Les soldats d'Anton viennent te choper. Tire-toi vite! Le bateau, je te reconnais. Je te croyais morte. J'ai toujours eu de la chance. C'est quoi ton nom? Danny, et toi? Tu devrais déjà le savoir. T'es là pour tuer mon père. Si mes souvenirs sont bons, t'as essayé de fuir ton père? J'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que... c'est toi qui as de la chance. C'est un monstre, Diego. C'est son éducation. Et pas la tienne? Je sais que tu me tueras pas! Ça dépend de si tu recommences. Quand je fuis, il me trouve. Quand il me trouve, Deyaran meurt. Tu ne comprends pas, il me laissera pas partir. Quel âge t'as déjà? Tu as de la famille? Non. Et toi, Chamako, t'en cherches une? Ne restez pas, Ayara. Il vous tuera tous jusqu'au dernier. Merde. Reste bien caché. Par là. Putain de dictateur. Gracias. Hey, Danny. Mon père est malade. C'est pour ça qu'il est pas là. Aïe, 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 c'est énorme! Tellement de choses à dire! Tellement de choses à penser! C'est trop! C'est trop! Allez, battez-vous, fuyez! Bon, on va fuir. Voilà. On va fuir, bien évidemment. Voilà, des petits médocs, ça fait toujours plaisir. Ah là là, quel bonheur! Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à penser. Et en vrai, c'est le Sancho de la veine, lui. Hein. Malgré que ce soit le fils du dictateur, qu'on peut plus communément appeler un fils de... Franchement, il est génial. Wow, elle est vraiment trop belle. Je vais pas me priver, Castillo. Les forces spéciales ont perdu votre trace. Eh ben, nickel. Bah là, on va se barrer, du coup. Je peux la prendre ? Allez! J'ai pas ouvert. On s'arrache! Et bien voilà. On est où là d'ailleurs, du coup là? Parce que du coup on est à autoroute de la Costanera. Incroyable les amis! Incroyable! Objectif terminé. Clara, je suis encore en un seul morceau. Comment t'as pu t'en sortir? Embuscade de Castillo. Mais je lui ai piqué sa caisse. Il l'avait pas vu venir. Elle sent le dictateur périmé. On n'a pas eu Castillo, mais son régime en a pris un sacré coup. Dis plutôt que son régime s'est pris un putain de coup de latte dans les couilles. Va te payer une bière, tu l'as bien mérité. Hé, hey, tu savais que Castillo était malade, toi? Hein? Vraiment? J'ai entendu des gardes en parler. C'est bon à savoir. Je te tiens au courant. Chacune de nos actions rapproche Yara de la liberté. Incroyable. Incroyable. Bon, la voiture du dictateur, elle est pas folle en vrai. Hein. Elle est pas folle. Mais je m'en doutais qu'il serait pas là, c'était évident. Mais tout le monde le savait, vous le saviez, mais je voulais pas le dire. Ouh, on a débloqué des nouveaux un nouveau klaxon pour customiser les voitures. Ok. Non, mais c'était évident. C'était évident qu'il serait pas là. Mais alors, par contre, le face-à-face avec le fils Diego, je ne m'y attendais. Mais alors, pas du tout. Franchement, insane. Voilà, pour le coup, j'ai kiffé cet épisode. Ouais, faut un petit peu peur. Il me faut un petit peu peur. Bon les amis, et on va rouler un petit peu là. On va rouler un petit peu, on va regarder si on a des petites choses sympas là, entre temps là, avant une prochaine mission. Parce qu'on a énormément de choses à faire, mais du coup, si on a peut-être moyen de chiller, ne serait-ce que 5 secondes, ce serait assez sympa. Putain, petite route et tout là. Bon, clairement, j'ai dit je parlerai pas de politique, mais putain, bienvenue en Corée du Nord, quoi. Oh, attendez. On a un poste de contrôle, là. Un poste de contrôle. Et avant ça, on a un petit connard, là. On va lui bouffer le cul, à celui-là. Attendez, on va le prendre par derrière.
Vous savez que j'aime bien faire ça. Ne bouge pas. Petite vermine, va. Allez, ferme-la. Oh, par pitié. Faites que je m'en sorte. Mais c'est bon, tu peux partir. Pars. Je vais pas te tuer. J'ai tué des civils tout à l'heure, mais j'ai pas fait exprès. Vas-y, frérot, tout va bien. Fais gaffe. Attends. Vous avez... Attends, mais frérot. Eh, le gars, il fait... S'il vous plaît, faites que... Nanani, nanana. Et là, il me fait... Fais gaffe. Genre... Frérot, t'as pas compris que le chef, c'était moi, là? Attends, mais il va se faire allumer au poste de contrôle. Attendez, il va se faire allumer, là, non? Attendez, j'ai envie de voir ça. Aguas Lindas. J'ai envie de voir ça. Parce que, en théorie... Moi, je me fais crever les pneus, ici, moi. Oh, mais je suis trop con. Ah bah, il s'est fait crever les pneus. Il s'est fait crever les pneus. Mais de toute façon, je suis trop con parce qu'en fait, c'est notre avant-poste à nous. Je suis bête, j'avais oublié. J'avais pas reconnu. Je suis trop con. Ah, attendez, on va récupérer. Il y a une caisse là, sur le chemin, en bas. On va la récupérer, elle est juste ici. Oula, il y a une petite grotte et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment je fais pour y aller par contre? Ah, ça c'est le petit détail. Le petit détail qui change tout. Comment y aller? Il doit y avoir une entrée, genre ici par exemple. Oh là 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 là. Et bien voilà. Magnifique. Oh, c'est vraiment mes... Oh là 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 là. Ouais, la map de Far Cry 6, c'est plat, c'est lisse, c'est du copier-coller, elle est grande mais y a rien. Excellent. Oh putain. Magnifique. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ce jeu, je peux rien dire de plus. C'est là-dessus en tout cas les amis qu'on va se quitter. Je pense que pour les prochains épisodes, on a quand même beaucoup de choses à faire, hein, très sincèrement. Pourquoi il y a des points d'exclamation? Ah, c'est quand c'est nouveau. Ah, un petit site anti-aérien ici. On peut se TP ici. Ok. On a pas mal de petites missions qui nous attendent. Tomber de la nuit. On a Rosé qui a capturé des guérillos de notre camp. Ok. On doit les secourir avant qu'il soit trop tard. Eh ben, on fera ça, les amis, pour le prochain épisode. On fera ça pour le prochain épisode. Je vous le dis, si c'est possible. Parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse suivre. Mais on va le faire, les amis, pour le prochain épisode, si tout se passe bien. Les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve demain pour la suite de notre aventure. Sur Far Cry 6, c'était Mkolo. N'oubliez pas le pouce bleu, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde !